Wesh la team, c'est Gamer Streamer. Bon, pour ceux qui me connaissent sur le Blast Gnome Island, c'est Vito. Voilà, on a quelques petits trucs à vous dire. Là, actuellement, je suis avec Vicious. Du coup, on va parler un petit peu du retour. Ouais, Vicious. Mais bon, ah, j'ai déjà lancé ouais. Tout. J'ai commencé, j'ai fait ma petite intro. J'ai coupé mon son comme ça, personne n'en a. Tu m'as pas entendu. Bah, oh, voilà. Merde. Non, mais bon, voilà. De toute façon, on voulait parler. Et en même temps que Vicious est là, bah, j'en profite bah, pour vous annoncer que bah, Gnome Island est de retour. Nawax nous a redonné la source. Enfin, nous a redonné. C'était même pardonné, quoi. C'était limite même obligé d'un côté, de son côté comme de mon côté, qu'on arrête de faire les gamins. Parce que bon, y a des choses que bah, vous savez pas et que je pense que ça sert à rien qu'on. Bah, on va pas le dire. De toute manière, ça regarde que le staff. Mais voilà, c'était comme ça, que ça soit de mon côté ou de son côté, on voulait pas voir mourir Gnome Island, ça c'est mort. On a laissé notre trace, on a quand même détrôné plus d'un serveur qui était là depuis X temps. Vraiment depuis très longtemps, on les a détrônés, mais easy. Franchement, ça on doit pas se cacher. Putain, on a fait un truc de ouf en vrai. Et voilà quoi, c'était juste ça, je voulais prévenir quand même bah, la commu déjà, la commu même de YouTube maintenant que ma chaîne est déban, bah, les lives vont reprendre et tout ça. Et s'il y a des joueurs RP bah, qui veulent jouer, il n'y a pas de problème. Ça, je veux juste montrer ça là. Oh. Ça, j'en suis fier de cette petite truc là. C'est tellement beau. Est-ce que tu as quelque chose à te dire pour la commu de. Bah, Gnome Island du Discord, du moins. Il n'y a qu'une chose à dire. Le serveur, il est de retour. Venez jouer, les gars. Venez jouer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as que ça à dire? Ouais. Attends, on va demander. Bah, les couilles. Bah, les couilles du. Ce qui s'est passé, on s'en bat les couilles, c'est derrière. Le serveur, il est HAL. C'est tout ce qui compte. Bon voilà, là ça GZ Move, c'est. Bah c'est deux. Enfin non, du coup Nino, toi t'es pas trop concerné je trouve. Mais Ami, bah, là je fais une petite vidéo vite fait pour redire les choses pour Gnome Island. Bah, bon toi t'es pas trop concerné vu que t'étais pas là vraiment quand toi parti en couille. Mais Hamid il était un peu plus présent on va dire. Hamid. Oui. Sérieusement, t'en penses quoi là de Gnome Island de retour? Oh frère, ça me fait bander, voilà, j'ai la pique. Je crois que j'ai coupé sur le montage. Non, je rigole, c'est bon, on s'en fout. Non, mais Gnome Island, c'était Gnome Island quoi, et puis là c'était plus trop ça. C'est clair, franchement, là j'espère maintenant bah, que bah, les gens vont revenir évidemment. Ça je pense. Après, même que si les gens ils reviennent pas, s'ils sont partis, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment savoir. Après, bien sûr. On va se reconstruire une communauté de au fur et à mesure. Bien sûr, c'est pour ça que bah voilà, je suis en vidéo et que j'ai envie de poster ça parce que il y a des trucs voilà, c'est j'ai reçu des messages en PV et tout. C'est cool quoi, sérieusement. J'ai encore un truc à dire en fait. Vas-y. Merci à tous ceux qui sont restés là malgré les difficultés. Ouais, ça c'est clair. Merci aux vrais. ça c'est clair. Franchement, ouais, c'est un truc de ouf. Et surtout, hein, là vous pouvez voir le message. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on a ouvert Gnome Island, en fait, on a eu tellement de critiques, mais je peux même pas vous montrer les messages privés parce que il y en a tellement, il y a des mecs que j'ai bloqué qui servaient à rien, comme quoi on avait boosté sur le site Top Server, petit message du Top Server qui nous a fait mais tous bander. Franchement, je parle même pas pour la commu, juste pour nous en tant que créateurs vraiment du point de Gnome Island, on les a mais détrônés et surtout ce petit message là. Ceux qui connaissent pas, c'est Kuga, c'est le créateur vraiment des, on va dire des premiers serveurs RP. La N3 TV qui était, le mec il a tout cassé quoi, le délire. Il a partagé une source de A à Z qui était un truc de ouf. Et juste son message là, mais
comment ça nous a fait bander. Et juste pour ça, ouais, c'est vrai que même moi de mon côté, juste merci à la commu, quoi, putain. Surtout ceux qui restaient là, que là le serveur il était plus No My Island du tout, c'était fini, c'était rincé. No My Island il était sous le côté, c'était terminé. Même moi je me suis enlevé, on va dire, ouais, de ça, quoi, de tant que fondateur, bah je voulais plus. Je pouvais plus assumer en fait la gueule que No My Island avait. Et franchement là de retrouver ma petite Mercedes C63, bon en rose évidemment, je vous dis que ça fait border quand même, quoi. Non mais ça fait plaisir. Maintenant j'espère que vraiment la communauté, bah, ils vont comprendre ça. De toute façon je pense qu'on va essayer de rassembler un peu la commu pour leur expliquer bah, que c'est de retour. Ça c'est qu'il y a du là, ils vont l'avoir. Après ils ont besoin d'expliquer pendant 10 ans, ils vont voir le serveur ouvert. Soit ils viennent pas maintenant, ils ont voulu. Après ils vont peut-être le voir ouvert, gros, dans le sens où No My Island avait toujours le même nom, il était toujours ouvert hier quand ils étaient se coucher. Peut-être que les gens ils vont peut-être pas forcément se reconnecter dessus. Bah, sachant que c'est. Bah, ils savent pas si c'est vraiment No My Island, quoi. Mais bon, après, j'avoue que là, juste en postant un message que le serveur No My Island était de retour, 25 likes, je pense que. Voilà. Il y a moyen que. Ah, tu vois, c'est comme. Quand tout à l'heure, t'as dit ouais, on fait la mise à jour ou pas. Tu vois, il y a eu pratiquement les mêmes choses. Donc, c'est que les vrais qui ont mis les likes. Voilà, ouais. En fait. Franchement, après, ouais. Tous ceux qui ont voulu partir, ils sont partis. Maintenant, ben, faut qu'ils reviennent pleurer pour dire ouais, on va revenir, je sais pas quoi. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai que ça pour ça, on verra bien bah, comment que ça va se passer aujourd'hui. Si vraiment les joueurs ben, ils vont revenir, enfin, soit l'économie elle va changer aussi. Ça, s'il y en a dessus qui tombent sur la vidéo, qui puent sur le Discord, ben, l'économie du serveur ben, ça va complètement changer. On va essayer de revoir tout comme il faut, tout ça, quoi. Enfin. Après, on va pas parler des heures et des heures. Là maintenant tout a été dit. Je vais quand même répéter certaines choses qui vont être redites que je dis pas en vidéo. Ça regarde vraiment la communauté de No My Island directement. Ça regarde pas YouTube ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, on verra comment ça va se passer. Hein. J'espère avoir des joueurs sérieux et du putain d'RP comme d'habitude. On verra. On verra, on verra, on verra. Ouais. On va voir. Hein. Là maintenant, je me suis mute pour vraiment vous parler. Tous ceux qui. Enfin, toutes les personnes qui nous ont critiqués, tout ça, qui ont dit de la merde sur No My Island, juste envie de dire, c'est un truc. Et là, je parle vraiment pour moi et Nawax. Après, Vicious, c'est vrai qu'il était. Il était là, mais il a pas reçu les critiques que nous on a reçues parce que. Voilà, je vais pas vraiment aller dans les détails, mais on a reçu tellement de critiques et là j'ai juste envie de dire un truc. Pff, allez vous reculer, quoi. On a tellement détrôné des gens et merci à la commu qui a vraiment cru en nous. Et sérieusement, là je parle vraiment pour le vrai staff, on va dire, de No My Island, à les créateurs du moins, Nawax et moi et Vicious. Franchement, merci à vous. Merci de croire vraiment que bah, No My Island est toujours là et de toute façon restera là. Même si on doit fermer, bah, le serveur restera en free access de toute façon. Et voilà. Moi sur ce, c'est vrai qu'il est quand même 6h du mat. J'ai envie d'aller me coucher. Et voilà quoi, c'est vrai que je suis un peu fatigué. De toute façon, tous les liens seront dans la description, que ça soit top serveur. Pensez à aller voter, c'est super important d'aller voter. Il y aura le lien de la communauté Steam aussi. Il y aura tout quoi, tout dans la description. Voilà. Bah, moi j'ai plus rien à dire. Oui. Ouais, j'arrête. Alors, du coup, bah voilà. Et de toute façon, on va se retrouver sûrement dans les prochains jours en live sur le serveur. Bah, je vous dis à plus, bonne nuit, bonjour à ceux qui font la vidéo et peut-être dans la ville de No My Island.